Yo les rats, vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. En fait, c'est la première vidéo Brawl Stars de la chaîne. Et en fait, j'ai tous les brawlers rares. Hier, je l'ai packé, El Costo. Mais mon plus aujourd'hui, ça va être de passer Ricochet en 10. Ok? Et après, mon autre deuxième but, ça va être de passer tous mes brawlers. Tout. Mes brawlers rank 1. Mais aujourd'hui les gars, à part ça, c'est un grand jour parce que on va commencer une série, la série des guides. Ok? Et en fait, cette série, c'est que je vais faire des guides sur plusieurs, sur les modes de jeu et sur quel brawler prendre, comment jouer sur ces modes de jeu là, pour bien s'améliorer, pour bien jouer. Et ça tombe, n'hésitez pas à vous abonner. À lâcher votre plus gros pouce bleu, à lâcher votre pouce bleu tête de rat, à lâcher un commentaire et surtout allez vous abonner à G2W Kichou, lui, très important, aussi à Wiflex, Wiflex, vraiment important, et à lui c'est Trinity LeBron, ça c'est leur chaîne YouTube, lui ça reste la même chose, mais lui c'est Trinity LeBron, alors allez vous abonner en masse. Des cas dans mon clan, alors allez vous abonner et aussi n'hésitez pas à rejoindre le clan. Voici le clan. Ok, go. Alors là, en premier, on va partir en Razia Gem. Et pour en Razia Gem, on va prendre Poco. Seulement Poco, c'est le meilleur brawler de Razia Gem. Pourquoi? Et bien, car Poco il peut heal la personne qui ramasse les gemmes, ou il peut prendre les gemmes lui-même. Et il peut mettre une pression sur les autres. Alors déjà, je suis un peu désolé si je ne peux pas encore jouer avec mes amis qui ne sont pas disponibles maintenant. Alors on va juste solo, puis on espère pas tomber compter avec des noobs. Donc c'est bon. Premier game en Razia Gem. En Razia Gem, très important, très important. Toujours mettre une pression sur les adversaires. Ok, toujours mettre une pression. Juste faire montrer que vous êtes là. Ok, voilà, comme ça. Tu vois, le franc qui joue extrêmement bien. Toujours juste mettre une pression. Voilà, excellent. Qu'est-ce que je disais? La pression, juste une pression. Juste mettre une pression. Voilà. La pression, juste une pression. Hop, on a une pression ici, une pression là, une pression là. Excellent, excellent. Hop. Voilà. Vous voyez, du coup, je suis avec des très bons joueurs. Hop, on va le heal. Voilà pourquoi il est excellent. Il heal extrêmement bien. Comme là, par contre, je vais devoir partir en arrière. Tu vois, hop, ok, très bien. Extrêmement bien de sa part. Par contre, je me heal. Excellent. Ok, monsieur heal. Très bien. Oh, je l'ai eu. Ce serait bien si vous pouvez juste me lâcher, s'il vous plaît. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon. Ok, je vais le heal. Ok, juste. On va rester en arrière. Je vais rester ici. On va faire la campouse. Ouais. Vous ne me demandez pas pourquoi, mais meilleure idée à la fin. Faites ça. Faites ça. Si vous n'êtes pas prendre des risques, faites ça. Ok. Et on a gagné. Super. Première game, c'est la win. Ok. Donc, maintenant, vous savez à quel point Poco, il est fort dedans. Voilà, je retard. Poco, extrêmement fort en Razia Gem. Ok. Ce moi, Poco, je le joue seulement en Razia Gem. Seulement. Donc là, après avoir joué Poco, on va changer. On va rester en Razia Gem et je vais vous dire s'il y a un problème. Il y a Jessie qui peut mettre une pression, ok, une très bonne pression sur les adversaires, comme l'autre, avec qui notre adversaire qu'on avait dans l'ancienne game, regardez, je vais vous montrer. Voilà, lui, tu vois, Brian, lui, il a pris Colt, mais Colt, il s'est très mauvais jouer Colt dans une map comme ça, car Colt, premièrement, il ne peut pas très bien viser vu le nombre de choses qu'il y a. Colt,
C'est un brawler extrêmement dur à jouer. Okay? Moi, je joue seulement en survivant parce que au corps à corps, ils peuvent faire reculer les adversaires. Okay? Dans des maps comme ça, c'est horrible. Ne jouez pas Colt. Colt, ne le jouez pas. C'est comme Shelly, ne jouez pas. C'est comme les snipers, ne jouez pas. Okay? Les Razzagem, c'est vraiment une map des soutiens, des soutiens. Donc là, on va partir avec Jessie en Razzagem. Okay, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. En espérant qu'on tombe pas avec des nuls, qu'on tombe avec des comme des plutôt forts comme la dernière fois, comme la game d'avant. Donc c'est parti. Alors, okay. Tu vois, Jessie, je vais vous montrer pourquoi elle n'est pas bonne. Ah non, s'il a un skill, c'est-à-dire qu'il s'y connaît, mais selon moi, il aurait dû quand même jouer un autre mode. Tu vois, hop, la pression, hop, voilà, il est carrément mort. Hop, voilà, il est mort. Quoi? Voilà, excellent ça. Nickel, voilà. Tu dégages. Viens, viens. Il va se faire bouffer, qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire bouffer. Ok, voilà, on va juste mettre une petite tourelle juste là. Pour garder une pression constante. Merde, merde, merde. Ok, c'est bon, c'est parfait. On l'a bouffé, on l'a bouffé. Excellent, vous voyez? Toujours un soutien. Soutien, excellent, excellent le soutien. Là, je crois que je m'avance trop. Ouais, je m'avance un petit peu trop. Je m'avance beaucoup trop, même, je dirais. On va mettre un petit truc là parce que je sens que. Voilà, on s'est mis direct. Par contre, là, il a fait le Colt, c'est bien pour nous parce que. Ça fait que on a une putain de. Oh merde! Ah non! Oh là 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 là! Ok, c'est là, oui. Le col, voilà. Je vous dis, c'est pas BG parce que son ulti, il détruit tout. Et donc, vous pouvez voir les adversaires. Mais les adversaires peuvent aussi vous voir. Trop facilement. Donc, ne jouez pas, col. Vous pouvez jouer si vous voulez. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Mais moi, je vais pas faire. Ensuite, selon moi. Ce sont les seuls brawlers bons en Razzagem. Les seuls brawlers. Moi, je joue que des soutiens Razzagem. Ensuite, on va leur survivant. En solo. Okay. Ça, c'est une nouvelle map. Vous avez avec les. Ça, c'est avec les champignons qui heal. Et on va partir directement avec un petit El Costo. Déjà parce que je veux le augmenter. Et parce qu'il est extrêmement bon cette map. Déjà, si on t'arrive, vous fonce dessus. Vous gardez. Tout le temps garder son ulti et tout le temps de jamais aller fight mais frapper les gens juste pour avoir votre ulti et après le laisser aller se fight avec d'autres personnes. Ok, tout le temps avoir votre ulti comme ça. Quand un temps Daryl ou un Bo vient sur vous, ok, ou un temps une police vient sur vous puis elle laisse son ulti, mais vous pourrez tout le temps fuir. Ok, si mettons, un crobat vient sur vous, vous pourrez fuir extrêmement bien. Ok. Vous avez juste même à sauter en l'air, à regarder sur lui, ça fait extrêmement de dégâts, vous le détruire. Alors, El Primo, très bon brawler à jouer en survivant. Après, je vais vous montrer le brawler. On commence par El Primo. Allez. Voilà, le boule. Il sait que il a peur de moi. Je sais pas pourquoi. Parce que. Ok. Le boule. Voilà. Il a peur. Allez. Allez, on va faire une alliance d'hélicoptère. Et en espérant qu'il ne m'allie pas. Qu'il ne me tue pas. S'il me tue, par contre, ça va être chiant. Oh merde. Oh la rosa. Je l'ai bouffé. Oh non, oh le karma, oh le karma instant. Oh là là, le karma. Oh quelle erreur, quelle erreur. Oh le karma, oh là là. Allez, on va continuer nos games avec quelques. Mais bon, je vais vous dire, on va juste faire ces deux modes-là aujourd'hui parce qu'on va faire une série d'épisodes. Et la série, je veux pas qu'elle soit trop longue là. Faut pas exagérer.
Yes, ok, on a deux caisses dès le début, c'est nickel. Les hélicoptères. Allez, une, deux, une. Regardez, vous voyez comment il recharge vite, vraiment, regardez. Ça monte extrêmement vite, c'est comme ça, c'est extrêmement bien. Les tanks, ils sont comme ça. C'est pour ça que mes tanks sont mes brawlers préférés. Mes brawlers préférés, ce sont les tanks et les snipers. Les. Tu vois, bah, pourquoi elle a. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette conne? Waouh, elle veut juste utiliser son. Non, on va pas les fight avec elle. On va les laisser fight. Hop, moi je vais rester là. Tranquillos, Pepperinos. Allez. Et par contre, ne jouez pas des lanceurs en soyez en solo, c'est une erreur. Déjà parce que juste n'importe quel outil peut vous éclater en 2 secondes. Allez, voilà. Je vais la bouffer. Oh, ouh là 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 là. Mon doigt a glissé, je peux réussir à continuer à avancer. Vas-y, viens sur moi. Viens, viens, viens. Ah, par contre, je sais qu'il y a. Voilà. Vous voyez, regardez, regardez. Vous voyez pourquoi. Voilà pourquoi. Oh merde, oh le con fils de pute. J'ai pas vu son ulti. Mais bon, vous voyez pourquoi il ne faut pas jouer. Ben, moi j'appelle la bomba. Ouais, okay. Faut pas la bombe. Faut pas utiliser la bomba. C'est une erreur. Okay. Alors là, je vais pas faire de gameplay, on va s'arrêter là pour la vidéo. Mais je vais juste vous dire quel autre brawler vous pourrez utiliser. Vous pourrez utiliser en survivant aussi un Bull, par exemple. Une Jessie. Mais sans en survivant duo, je vous conseille extrêmement Jessie et Nita. Duo extrêmement puissant. Okay, je vous sauve peut-être aussi Colt. Comme moi, vous voyez, j'ai mon skin de Colt que j'ai acheté. Je vous conseille aussi un El Costo. Okay. C'est le seul que je vous utilise. Okay. Et donc, on va s'arrêter là pour la vidéo. À la prochaine vidéo, on va faire un Pro Bowl et un Pro Bowl à gogo. Et ensuite, dans la troisième vidéo qui va être la fin de la série, on va faire un Prime. Ben, un ici. Donc, soit un Prime, soit un braquage, soit un siège avec l'événement solo, donc le chasseur d'étoiles. Que je vais extrêmement rush pour l'avoir et que j'ai très 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 bientôt en passant. Vous voyez? Donc n'oubliez pas que moi ça fait une semaine et demie que j'ai perdu mon gros compte, que là je suis sur mon nouveau compte. Donc c'est bon. Alors là on va se regarder là pour la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus grosse pouce bleu de rat. Abonnez, allez follow les chaînes que je vais mettre en description. Et surtout à lâcher votre plus gros commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Guide, au revoir.